On passe devant vous. À 70 ans passés, Michel et Arlette sont les premiers habitants propriétaires de la résidence-service Domitis, quartier de l'université au Mans. Le tram, c'est vraiment l'idéal. Un choix de vie à la carte. Le couple mange au restaurant chaque midi, des animations et des sorties leur sont proposées, les courses portées, les rendez-vous médicaux organisés. Ici, c'est un peu l'hôtel club. On est libre aussi nous-mêmes de... On est libre, partir, c'est ça l'important. De partir en vacances, de faire ce qu'on veut, d'aller en ville si on ne veut pas faire les activités, on a une liberté totale. Déjà présent à Alençon, Tours et Laval, le concept de résidence-service s'implante au Mans. Avec 135 appartements du studio au T3, tous indépendants, il bénéficie de la bienveillance du personnel de jour comme de nuit. C'est une sécurité. Oui, c'est une sécurité. On se sent vraiment en sécurité. Oui, c'est ça qui est important. Et en même temps, on est près des enfants, mais on ne les ennuie pas. Ils peuvent partir en vacances, ils peuvent nous laisser seuls, ils n'ont pas à se faire de soucis. Le couple a pu ramener ses meubles et aménager son nouvel appartement. On a commandé un meuble assorti à ça, il faut l'attendre. Pour 46 mètres carrés, comptez 150 000 euros à l'achat ou 1 000 euros par mois à la location. Michel et Arlette déboursent en plus 1 105 euros chaque mois pour le forfait club et les repas de midi.